Même Simulator, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu qui va me faire plaisir parce que je l'ai déjà testé. Je peux vous dire qu'il est vraiment très plaisant à jouer. Je vais même peut-être essayer de vous faire plusieurs vidéos dessus parce que franchement, je le trouve tout simplement magnifique. Donc, il s'appelle Scrap Mécanique. Donc, c'est un jeu que j'ai vraiment découvert. Il est vraiment pas mal. En gros, très simple. Très. J'ai fait déjà quelques inventions, on va dire. Très simple, très joli, pas joli non, mais très très pas mal. J'ai un peu testé le jeu sous les plus. Ah, si. Donc voilà les quelques engins que j'ai fait. Donc merde, faut que je passe en QWERTY. Voilà, c'est fait. Bon, voilà, hop, des engins très simples. Ah. Ok. Ok, je pense que le jeu a pas fini de charger ou il y a un bug. Parce qu'en gros, le jeu est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc là, j'ai fait un. À la base, ceci était une moto. Hein, à vous dire. Donc, voilà. Ceci était une moto à la base. Et je l'ai transformé limite en sidecar. Voilà. Après, donc là, c'est mon. Ça, c'est mon tout premier véhicule. Voilà. Pour vous dire. Donc voilà, on a juste à se mettre là-dedans et on peut avancer. Ah, et tourner. Ouais, le jeu lag un petit peu. Donc il tourne plutôt bien. Hein. Ah, mais. Non, pourtant, il me semblait pas avoir fini ce véhicule. Donc voilà. Ah, ouais, en fait, il y a vraiment un petit bug là. Oh, en fait, il m'a. Ah oui, il m'a oublié des trucs. Bon, c'est pas grave. On va. Tiens, vu que je suis là avec vous, je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait. Ok. Ok. Bon, je vais voir ce que ça donne. Et après, donc, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, faut relier les deux roues ensemble pour que. Avant. Ouais, en gros, il y a un gros lag, sa mère. J'arrive pas à supprimer, c'est bizarre. Ah, si. C'est bon. Donc voilà, c'est un jeu tout simple. Oh. Donc c'est un jeu tout simple comme je voulais vous dire. Donc on va se finir. Je vais recommencer la voiture. Donc on pourra replacer la voiture, le véhicule parce que c'est pas vraiment une voiture. C'est pas forcément une voiture. Donc là comme ça, on a juste à prendre le pont, on va dire. On va appeler ça un pont. Eux ils appellent ça un lift. Donc ça doit être comme ça que ça s'appelle en anglais. Mais moi et l'anglais ça fait deux. Donc moi j'appellerais ça un pont. Voilà. Donc, c'est même pas comme il faut en plus. Oh là là. Ah ben. C'est pour ça, hein. Hop. Donc, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que celle-là va vous plaire. Parce que franchement, moi, j'adore faire des vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas tout le temps. Parce qu'en ce moment, je travaille un petit peu et tout. Donc voilà, hop, on va se faire un petit truc sympa. Et je vais essayer un truc parce que je sais pas si ça va marcher ou pas. Ou même de toute façon, je sais que ça marchera comme ça, de toute façon. Sinon, en gros, on est obligé de faire. Donc, voilà, en gros, de base, c'est. En gros, ça marche en QWERTY. Et c'est du ZQSD. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc c'est un truc tout basique. Par contre le pont pour lever et le descendre c'est les flèches au bas. Donc voilà. Mais après pour déplacer le personnage, donc on peut le voir en appuyant sur V je crois, on sait. Et après sur X vous pouvez repartir sur la première personne. Donc après on met ce petit truc qui permet de d'effectuer des rotations. Et je vous dis clairement, moi le jeu, j'ai vraiment pas joué, pas beaucoup joué dessus. En gros, j'ai dû jouer 2 heures à tout péter.
Et puis voilà quoi, on va dire. Franchement, je vous dis clairement, j'ai pas beaucoup joué sur ce jeu. Ce jeu, vraiment, je l'aime bien. Il a un bon fond parce que j'adore l'automobile et tout. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous le présenter un peu. Parce que pour moi, il me fait pas beaucoup. En gros, c'est un jeu d'automobile dans le fond, c'est ça. Mais en gros, c'est toi qui crées ta voiture, donc c'est ça ce que j'aime bien en fait. Je vais pas mettre ce style de suspension. Donc, comme vous voyez, on a beaucoup de petits crafts, de petits trucs comme ça, des petites décorations. On peut faire aussi beaucoup de choses. Donc, on va se mettre. Allez, pour faire plaisir, on va mettre un peu de musique. C'est vrai que j'ai pas pensé. Parce que maintenant, vu que j'ai mon nouveau PC, là je tourne à 40 FPS sur le jeu. Parce que le jeu, quand même, vu que c'est une petite. Allez. Je sais pas si ça va avoir des copyrights. J'espère que non. Dans le pire des cas, je ne monétiserai pas cette vidéo. Mais bon. Donc voilà. Après, on va mettre les suspensions. Donc, ça, c'est les suspensions. Une version sport des suspensions. Tic-tic-tic-tic. Voilà, parce que de toute façon, je suis obligé de remettre un cube en bas. En fait, j'ai pas envie que la voiture fasse trop haut, en fait. Donc voilà, comme vous voyez, ça fait un peu, on va dire, araignée. Sur le type de jeu, ce que j'aime bien, c'est que. En gros, vu que je suis avec un casque. Le son change bien d'oreille quand. En gros, le son est bien réparti. Mais ça, c'est sur pas mal de jeux au jour d'aujourd'hui. Ça revient à faire un truc basique, hein, normal. Hein. Tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai même pas regardé en combien. Je sais plus. Ouais, c'est pas grave. Je crois qu'il me l'a mis en 1080p. Puisque, en gros, pour ce jeu, j'ai repris Fraps. D'habitude, je tournais avec Shadowplay. Mais là, j'ai pris Fraps pour changer un peu. Parce que je pouvais pas la filmer dessus avec Shadowplay. Donc maintenant on va remettre The Roue. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses. Assez sympathique. Après si vous voulez, on va peut-être essayer de faire un petit. D'ailleurs j'ai oublié un truc. Parce que avec mon clavier, ce que j'aime bien, c'est que j'ai un. D'ailleurs je crois que je peux voir depuis combien de temps je tourne, non? Non. Il me donne juste le. Ok. Donc frappe ce compte à rebours. Voilà, en gros, vu que j'ai un clavier plus ou moins numérique, on va dire, je peux avoir des trucs assez sympathiques. Parce qu'en gros, j'ai un écran numérique, ouais, un écran numérique sur mon clavier, qui est assez sympathique. Ah, j'aime bien cette petite musique-là. Donc là, on peut descendre tout ça. Donc, là, comme vous voyez, bon, c'est très basique, hein, franchement, c'est la base de l'automobile, on va dire, hein. Ah, ils ont même fait les trois pédales et tout, c'est sympa. Donc, c'est vraiment la base de l'automobile. Hein. Donc, un moteur qui a. Enfin, tout ce qui manque, c'est un moteur. Après, on a le choix, en gros, entre moteur électrique, moteur à carburant, et un autre choix, qui est pas vraiment un choix, parce que c'est un propulseur. Pour faire plutôt des trucs du style avion, on va dire. Pourquoi je veux faire glisser? Donc, comme vous avez peut-être compris, pour faire glisser et tout, on fait comme ça, on met dans sa barre. Un peu comme dans tous les jeux de ce type-là, survie et tout. D'ailleurs, en ce moment, je vais pas mal tourner sur des jeux de type survie et tout. Parce que j'aime bien ça quand même, c'est plutôt sympathique. J'aurais pu essayer de faire une espèce de. Ah ouais, non, je vais faire comme ça. C'est plus sympa, je pense. Donc, pour enlever les objets, c'est. Pour les cubes, c'est juste vous appuyer sur B, mais pour les autres, faut rester appuyé sur B. Et après, ça enlève le. Donc là, vous vous dites, merde. Mais comment il va rouler? Les roues sont pas reliées. Voilà. Donc après, on appuie sur 1, sur 0. Donc en gros, pour avoir cet outil. De base, c'est 0. Après, comme vous voyez plein de petits. Ah bon, je peux relier. Ah ouais, je peux relier. Ah, c'est cool ça. Ah, c'est qui là? Ouais, je pense que j'ai compris comment. Donc. Excusez-moi, j'ai une lumière qui a démonté. C'est pas très pour pas dire ça, mais non. Donc, comme vous voyez, on a. Des petits
truc bleu. On va dire que les bleus. Ouais, je crois que les bleus, c'est ce qui n'est pas assigné, en gros. Toutes les rotations qui peuvent être faites qui ne sont pas assignées. Donc celle-là, c'est les rotations de direction qui vont être liées au volant. Voilà. Hop. Qu'il va falloir changer, bien évidemment. Ben, parce qu'en gros, elles sont pas reliées. En gros, quand vous allez tourner à gauche, ça va tourner à droite, etc. etc. Donc après, on relie les roues au moteur. Tout simple. En gros, je vais faire une espèce de coccinelle très sympathique. Donc là, on est déjà à peu près 5-6 minutes, je pense, de vidéo. Ce truc, c'est que je voudrais. Ah oui, par contre, j'ai oublié un petit truc. Un petit détail qui change tout. C'est que là, en gros, on va rien pouvoir faire. J'ai oublié deux petits détails. Donc, on relie bien sûr le moteur au volant, bien sûr, parce que sinon c'est pas terrible, au cockpit, on va dire, parce que c'est pas vraiment un volant. Et on fait l'utilisation du volant et on remet un petit peu de gaz parce que sinon on va jamais jamais avancer. Voilà, hop. Et après, on peut avancer et comme vous voyez là, je tourne à droite. Et comme vous voyez, là j'essaye d'avancer, reculer. En gros, on tourne parce que les roues sont complètement pas. Allez, j'ai un petit freeze. Donc, pour faire changer la rotation des trucs, faut appuyer, comme vous voyez, les marques. Clic droit. Voilà, hop, je change. Hop, je change. Et hop, je change aussi parce que lui. Ah, j'ai un gros freeze là. Putain, comment j'arrive? Bon. Si c'est normal, c'est un jeu tout neuf, on va dire. Et puis je commence aussi à avoir pas mal de constructions. Oh shit. Pourtant, j'ai pas un mauvais PC, hein. C'est ça le truc que je pige pas bien. J'essaie d'enlever la. Là, je tourne vraiment pas bien là. Bon. Déjà, je tourne à 10 FPS là, mais je sais pas. Bon, je sais pas. Ah, c'est bon, je suis revenu à 40. Ok. Donc, vous voyez que je tourne. Le jeu me fait vachement laguer, mais bon, il est tout neuf, on va dire que ça passe, hein. Et là, maintenant. Donc, excusez-moi. Donc comme vous voyez, il y a vraiment une gestion de la physique qui est pas trop mal, on va dire. Ah, j'ai pas réglé comme il faut les roues, parce que là je tourne. En gros, sur mon clavier, je tourne à gauche. Et là, sur le truc, je tourne à droite. Tac, tac. Et là, non. Je suis bon. Mais le truc, c'est comme vous voyez. Soit il y a trop de poids, on va dire. Donc, allez, mon véhicule s'est retourné. Et là, on a juste à apprendre. Hop. Comme vous voyez, le véhicule, plus ou moins, il me suit. Donc, on peut courir. Faut que je retrouve mes autres véhicules. Ils sont où? Ils sont un peu plus loin là-bas, je crois. Donc, plus tard, quelques semaines, peut-être quelques mois, je sais pas. Je vais essayer de. Faire quelque chose de nouveau et de pouvoir en gros je vais innover, on va dire. Je vais plus, je vais di non je vais pas diminuer les vidéos, mais je vais peut-être me mettre essayer de me mettre un peu plus au live, commencer un petit peu pour essayer, pour voir si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, ben j'arrêterai, mais je pense que ça va bien plaire. Ah oui, je vois les voitures, les véhicules. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et comme ça me fera plaisir. Et puis je pourrais vous montrer d'autres vidéos sur ce jeu, qui est pour moi super. En fait, on ne trouve pas d'autres jeux comme celui-là. Donc comme vous avez vu, la loi de la gravité est plus ou moins bien faite dans ce jeu. Je vais l'éloigner un petit peu des autres véhicules parce que c'est pas les mêmes. Donc voilà,
comme vous voyez, bon, la gravité est plutôt bien respectée sur le véhicule. Donc, il faut rajouter des blocs sur l'avant parce que le moteur à l'arrière, c'est lourd. Donc, on va mettre ça ici, un bloc arrondi. On va mettre. Parce que, en gros, il y a des blocs qui sont plus lourds que d'autres, chose qui est normale. Voilà. Ah, ouais, ok. C'est I. Donc, faut. Comment dire? Faut vraiment être vraiment très très pointilleux en fait sur ce qu'on fait. Et pas faire des conneries. Bah, trop de conneries, on va dire. Si on veut que son véhicule marche, bien sûr, parce que si on veut pas que le véhicule marche, ben fonctionne, mais. Aussi, bon, on peut faire plusieurs trucs à la fois. Là, en gros, je suis en train de ralourdir, d'alourdir à l'avant. What? Pourquoi je suis monté dans le véhicule carrément? Ah oui, parce que je devais être sur le. Donc, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de pouvoir faire un arrondi sur l'avant. Mais bon, je vais essayer de faire autrement. Je vais pas m'embêter. Je vais mettre des deux de partout. En gros, ça fait un truc joli, mais bon. Donc, hop, tac. En gros, on va juste essayer d'alourdir l'avant pour pouvoir que le véhicule ne s'emporte plus, ne s'envole plus, en gros. Éviter de trop cacher le conducteur, quoi, on va dire. Donc, comme vous voyez déjà. Le véhicule s'emporte un petit peu moins. Aussi, on a une petite gestion des gaz, mais on peut pas gérer vraiment, on va dire. Donc, comme vous voyez, déjà, on a une meilleure adhérence parce que le poids, déjà. En gros, le but, c'est de mettre le poids quand même le plus bas. Ben, c'est ce qu'on fait dans la maintenance automobile, dans la mécanique. Non, en fait, c'est pas nous qui le font, mais les ingénieurs, c'est ce qu'ils font pour avoir une meilleure tenue de route. Essayer de mettre le poids le plus bas et d'avoir le centre de gravité le plus bas pour avoir une meilleure tenue de route. Donc comme vous voyez, on peut circuler, on peut avancer, on peut vraiment faire pas mal de choses. Donc je sais pas, au pire, même si vous voulez me lancer un petit défi, on va dire, je vais essayer de le faire comme ça au moins. Même si aussi on peut, je vais essayer de faire un truc parce que j'ai envie de le faire. Attendez, je vais essayer de faire un truc, mais je sais pas comment le faire en fait parce que j'ai jamais essayé. Donc je vais vous montrer et après je pense qu'on va se quitter là parce que j'ai pas envie de faire une grosse vidéo. Je vais juste vous montrer. Non, par contre je voudrais des trucs très légers là par contre pour ça. Donc en gros le bois c'est le plus léger dans le jeu. Donc le but ce serait de faire Non, en fait c'est pas comme ça. Attendez, ce que je vais faire, c'est comme ça pour pouvoir avoir accès à dessous. Voilà, hop. Et là, on va pouvoir se remettre sur un truc plutôt sympa. Tac, tac. Là, tac. Et là, tac. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit escalator, un petit escalier, machin et tout. J'ai encore jamais fait ce style. Enfin, je l'ai fait, mais pas pour faire un truc comme ça. Donc, on va utiliser. Je sais comment faut faire, mais je l'ai jamais fait. Donc, on va utiliser un truc comme ça, je crois. Tac, et un bouton comme ça, un switch. Donc voilà. Merde. Donc c'est I. En gros, je me perds tout le temps. Il y a beaucoup de touches quand même dans le jeu. C'est pas non plus. Donc, faut le placer sur le véhicule.
Parce que comme vous l'avez peut-être vu, en gros, si il y a un truc qui est en dehors du véhicule, ça n'est plus compté en tant que véhicule en lui-même. Donc, voilà. Donc, on va mettre le switch. 4. 4, voilà. Hop, juste à côté. Et après, on va donc relier celui-là à ça. Ça à ça. Et normalement, là, on est bon. Ben, il faut qu'on fasse, en gros, en position. Là, on reste à 0, en gros, en position initiale. Et après, donc, 90 dans l'autre sens, je crois. Voilà. Je vous dis franchement, je ne sais pas si ça va marcher ou pas. D'ailleurs, c'est pour essayer que je le fais, hein, parce que j'ai pas. Encore essayer. Ouais. Ah, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone. Je vous reprends tout à l'heure. Re les amis. Excusez-moi, c'était pour. J'ai eu un petit souci de comment dire. À part en fait, IRL et. Donc on revient sur le jeu. Vite fait, je vais vous montrer. Donc ça, je crois que ça a bien marché en plus parce que c'est la première fois que je m'en sers. Donc attendez 30 secondes. Voilà. Hop. Bien. Donc voilà. Donc les commandes sont vraiment bien expliquées en plus. Donc on peut. Voilà. Donc là, il y a un petit bug de je sais pas trop quoi en fait. Je crois que c'est par rapport au fait que j'ai mis un. Merde, ça c'est l'autre. En fait, en gros, j'avais fait déjà un escalier sur un autre. Sur un autre truc. Et. Ah merde, c'est vrai, je suis con. Ouais, bon. On va se refaire ça vite fait. Vu qu'on a toujours. On va se le faire en acier, hein. De toute façon, on risque pas grand-chose. Mais je vais le faire que sur deux trucs parce que je pense que c'est pour ça qu'il est buggé. Donc, ouais, donc là voilà. Comme vous voyez, ça lag un petit peu parce que. Merde. Donc, on peut aussi changer. Les directions, en gros, on va dire. Donc voilà, hop. Là, non, c'est pas mal déjà, hein. Donc on va aller voir ce que ça donne. Oui, en gros, j'ai fait une connerie parce que. Attendez, sur 0. Oui, toujours au lit. Donc attendez. Tac. Tac, 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 tac. Je crois que je sais pourquoi. Donc on va pas faire une vidéo trop longue. Je vais finir de vous montrer ça et après on va se laisser là-dessus. Donc je vais changer le fer par le bois. C'est le I sur 2. Et je vais changer, je vais me mettre comme ça. Voilà. Tac, tac. Tchic, 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 tchic. Voilà. Donc histoire, voilà, je vais voir si ça marche ou pas maintenant, parce que je pense que tout à l'heure, en fait, c'était trop lourd. Voilà. Comme vous voyez maintenant, ça marche. Tac. En gros, voilà, j'ai fait des escaliers relevables. Donc voilà. Après, on peut faire mettre un cockpit, je crois. Attendez. 2 secondes, je veux voir ce que ça donne en fait. Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà. Donc, voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus. C'est déjà pas mal, hein. Donc, si vous voulez revoir quelques vidéos sur ce scrap mécanique, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je le lirai volontiers. Et puis, si vous me posez une question, je vous répondrai aussi, bien sûr. Donc, là, en plus, dans les quelques jours ou quelques semaines, il va y avoir certainement pas mal de vidéos. Parce que je vais avoir le temps et puis aussi
Peut-être l'envie, on verra. J'espère avoir l'envie. Parce que c'est vrai que souvent j'ai un peu, on va dire, la flemme. Donc voilà. Mais bon. Je voulais tester un autre truc aussi, vite fait, avec vous. Parce que je veux pas faire une trop longue vidéo, toujours. Relier. Ça. Ah non, pas ça, pas ça, pas ça. Pas comme ça. Ça à ça. Non, c'est possible, voilà. Et là, comme vous voyez. Voilà, si. Ah oui, ok, en fait. Ah. Je comprends. En fait, oui, j'ai fait n'importe quoi. Comme vous voyez, en gros, il n'y a que le haut, en fait. Le bas est relié à la voiture. Et le haut, il... voilà. Ouais, mais bon. C'est bon, j'ai compris le système, mais. Ouais, j'ai un lag, un gros lag. Donc voilà. Là, vu que j'ai mis du poids sur le côté un petit peu, l'adhérence, on le ressent dessus. Oh là là. Et aussi ce que je voulais... Putain. Ah ouais, je crois qu'en fait c'est par rapport au fait... Ouais, bon. Bon, donc c'est un peu buggé, hein, comme je vous ai dit. Ce que j'ai fait, c'est pas une belle voiture. Mais bon. Donc on va se laisser là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo qui devrait pas tarder à arriver d'ailleurs parce que j'ai là franchement j'ai vraiment envie de me mettre aux vidéos, au stream et tout ça. Donc je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Ciao!